Chers amis de la mission Roac, je suis très content d'entrer en contact avec vous. Je suis l'archevêque de Bucarest, Aurel Perca. Je suis en visite chez Père Claude, qui je le connais très bien. Il m'a parlé toujours de la mission et des initiatives, des projets que la mission soutient en toute Roumanie et aussi en Indie. Je suis très content d'entrer en contact avec toutes les réalités de la mission Roac parce que dans ces jours, depuis quand je suis en visite chez Père Claude, j'ai rencontré les membres de langue espagnole, mais aussi aujourd'hui, j'ai adressé un salut aussi à membres de langue anglaise. Et maintenant, je suis très content que je vous vous adresser aussi mon salut et aussi vous souhaite au début de la carême de cette année. Aujourd'hui, nous avons commencé cette période de préparation pour la Pâque du Seigneur, une période qui nous invite pour prier de plus, de rester en silence, de déjeuner, aussi de faire des actes de charité, parce que ce sont les trois directions qui caractérisent toujours la carême. Mais je sais que vous êtes même membre de la mission Roac, avec déjà une spiritualité qui a à la base la prière, que vous déjeunez souvent avant de prendre des initiatives importantes. Et je vous encourage maintenant pour aller avec courage à travers la carême, parce que toujours la carême, après le désert, que nous pouvons dire, comme aussi le pape nous a parlé dans son message, à travers le désert, nous allons vers la vraie liberté. Je vous souhaite de traverser cette période avec courage, et aussi de faire toutes les actions spécifiques pour la mission Roac en collaboration avec tous les membres de tout le monde. Je vous remercie pour le soutien que vous offrez à la diocèse de Bucarest en Roumanie, mais aussi en Indie. Le aide qui vient aussi pour les prêtres en difficulté et aussi pour aider les projets sociaux qui sont nécessaires dans nos pays. Je vous remercie de tout mon cœur. Je vous souhaite la bénédiction du Seigneur et aussi un bon chemin à travers la carême pour avoir toujours la joie de la résurrection, la joie qui est en communion toujours avec le Roac, l'Esprit Saint, parce qu'après la Pâque, suivre la Pentecôte, et la Pentecôte est toujours la présence du Saint-Esprit parmi nous. Mais la mission Roac fait toujours présent l'Esprit Saint parmi nous pour nous inspirer de bonnes choses. Alors je vous bénisse maintenant pour avoir des courage, avoir des temps pour prier, pour déjeuner, pour faire des actes de charité et pour aider beaucoup de hommes dans tout le monde. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.